Face à ces politiques mortifères que certains veulent imposer en Île-de-France, nous portons depuis 2016 un plan anti-ghetto ambitieux et en rupture totale avec de telles dérives. Notre seul objectif est le rééquilibrage territorial. Nous sommes fiers d'avoir stoppé la ghettoïsation en refusant de financer des logements très sociaux dans les communes qui en comptent déjà plus de 30%. Nous sommes fiers d'avoir soutenu à 100% les projets des maires qui souhaitaient construire de manière responsable et éviter une bétonisation aveugle. L'intensification de la construction ne doit pas et ne peut pas être synonyme de concentration des difficultés. Nous croyons en une véritable mixité sociale et en la réparation des fractures territoriales. Lorsque vous souhaitez ajouter de la pauvreté à la pauvreté, notre majorité fait le choix d'une véritable politique de mixité sociale. Notre politique n'est pas celle du tout logement social, mais celle d'un véritable parcours résidentiel.